Bonjour tout le monde, aujourd'hui et la télévision est libre pour Kwaku. Eh oui, bonjour. Maintenant t'es dans la G. Non, F. Aïe, M, attrapé. Oui, c'est pas grave, c'est plus tard la G, d'accord? Ah, c'est donc, à plate, il l'a. Voilà, F comme ferme. Et du coup, la ferme, il y a quoi? Il y a des animaux, bon. Comme ton... Dain. Eh oui. Bon, le dain, il n'est pas vraiment à la ferme. Hein. Oui. Ouais. Donc là... Mon dain, il est à la vallée des dains. Oui, voilà. Là, il a eu sa peluche dain dans la vallée des dains. Et ça, il lui a Lidl. Ouais, au Lidl, on lui a pris ça. C'est des tampons pour l'alphabet. Donc, il pourrait tamponner toutes les lettres de l'alphabet. Ah, mais c'est des E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Bon. Alors, on y va, on commence l'histoire. Oui. F comme ferme. L'histoire s'appelle Madame Godoy à la ferme. C'est. Bienvenue dans l'univers du F. Pour découvrir le F, la sixième lettre de l'alphabet, la Pat Patrouille te raconte une nouvelle aventure avec tes héros préférés. Madame Godoy à la ferme. Comme tu t'en doutes, la Pat Patrouille répond toujours présent lorsqu'on fait appel à elle. Cette fois, c'est Madame Godoy qui a besoin de rider. Direction la ferme de Yumi et Al. Et n'oublie pas, aucune mission n'est trop dure car la Pat Patrouille, elle... Ouais. Alors, du coup, dans le livre, vous verrez, la lettre F sera en rouge parce que c'est la lettre du livre. Du jour. Oui. Voilà. Ce sera F. Oui. Aujourd'hui. Et en fait, tout, dans tous les pattes au bout. Voilà. Les fermiers, Al et Yumi, partent en vacances et confient leur ferme à Madame Godoy. Assistée par sa nièce et son neveu, et Galinetta, ce sera facile de vous. Ne vous en faites pas, la rassure Al. Il faudra juste récolter les carottes et les donner aux animaux, ajoute Yumi. Regardez, dit Al, j'ai fabriqué un système fantastique pour verser la quantité parfaite de graines dans les auges. Il suffit d'appuyer sur ce bouton. Affamé, Gabi fonce tout droit vers l'auge pour se régaler. Qu'elle est rapide! Oui, mais là, c'est la chèvre qui s'appelle Gabi. Ah, c'est une chèvre? Oui. Tout paraît simple et parfaitement ficelé. Filé en vacances. Les fermiers de la famille Godoy ont la situation bien en main. Lance, Madame Godoy. Merci, à bientôt. Pendant ce temps, la Pat Patrouille profite d'un agréable moment à la plage. C'est l'heure d'une partie de football endiablée. Stella se concentre, frappe et marque trop forte. À la ferme, le ramassage des carottes se passe formidablement bien. Nous allons avoir un succès fou auprès des lapins, affirme Madame Godoy. Pendant que je les nettoie, allez jeter un œil dans la grange, les enfants. Mais dans la grange, c'est la folie. Rien ne se passe comme prévu. Galinetta ne cesse d'appuyer sur le bouton des graines. Et un loquet qui devait rester fermé s'ouvre malencontreusement. Les moutons prennent la fuite. Al et Yumi, quant à eux, arrivent sur une plage après une route difficile en raison d'un épais brouillard. Je suis sûr que c'est ici. Regarde, il y a même un fauteuil confortable. C'est formidable, fanfaronne Al. L'hôtel doit se trouver derrière cette porte. Ils ne se doutent pas qu'ils sont en fait chez le maire Ellinger à Foggy Bottom. À la ferme, c'est la catastrophe. Les animaux courent dans tous les sens. Et Gabi, après une cascade digne d'un grand cirque, se retrouve sur le toit.
C'est effroyable. Ça doit être un mauvais rêve, panique Madame Godway. Effrayée, il faut appeler Ryder. Oui. Ryder, ça ne va pas fort. Rejoins-moi à la ferme. Il y a de la nourriture partout. Les cochons font les fous. Les moutons sont en fuite. Et Gabi est coincée tout en haut du silo. Nous allons arranger ça. Pas de patrouille. Rassemblement. Wouf! Pas de patrouille. Paré à l'action. Chef, lance les petits chiens. Ryder leur explique la folie en cours à la ferme. Il faut ramener tous les animaux en fuite et sauver Gabi bloquée en haut du silo. La patte patrouille file en mission. À bord de son hélicoptère, Stella va faire descendre Gabi avec son harnais. Reste bien fixe, Gabi. Ne bouge surtout pas. Ça y est, je t'attrape. Aussitôt dit, aussitôt fait. Gabi retrouve enfin la terre ferme. Stella n'est pas peu fière. Puis, c'est au tour de Chase de rameuter tous les petits fugitifs. Il met en route son mégaphone. Votre attention, s'il vous plaît. Rassemblement dans la grange. Fantastique! Le plan a fonctionné. Tous les moutons l'écoutent et filent vers la grange. Mais Ryder a à peine le temps de dire ouf qu'une montagne de graines s'échappe de la grange. Madame Godway fonce pour arrêter la catastrophe, mais elle chute sur une table, fait une cascade et se retrouve à califourchon sur une vache. Je suis vraiment une très mauvaise fermière, dit-elle, emportée dans une course folle. Au fond de la grotte d'Ellinger, Yumi semble enfin satisfaite. Finalement, ça me plaît bien ici. C'est à ce moment-là que le maire revient de course et remarque la voiture des fermiers. Oh, des intrus dans mon repère secret. Ils ne vont pas s'en tirer, ces filous. Fermeture d'urgence du repère secret. Le maire active un bouton. La terre tremble et une immense pierre vient s'écraser avec force devant le repère et enferme l'accès. Mais il a oublié une chose, ses chatons. Ils se retrouvent coincés eux aussi à l'intérieur de la grotte. À la ferme, alors que la vache freine sa course, d'un coup soudain, Madame Godway voltige. Heureusement, Chase active son filet. Madame Godway rebondit dessus comme sur un trampoline. Ouf, elle est saine et sauve. Tout est bien qui finit bien pour l'apprenti fermière. Mais Ryder doit à présent sauver les fermiers Al et Yumi, ainsi que les chatons du maire Ellinger, qui vient tout juste d'appeler le garçon au secours. Ruben, il faut que tu me rejoignes à Foggy Bottom. Alors que Stella et Chase s'occupe de finir de ramasser la nourriture qui s'est déversée, Ryder fonce à Foggy Bookton. Grâce à son engin, Ruben déplace sans difficulté l'énorme rocher qui fermait le repère. Les chatons sont les premiers à sortir, ravis de retrouver leur maître et de pouvoir enfin lui faire un câlin. Puis, c'est au tour des deux fermiers de finalement sortir du repère. Vous, ici, vous avez également réservé dans ce fantastique hôtel ? S'étonne Al. Ruben et Ryder pouf de rire. La patte patrouille se rassemble à la ferme. Merci de nous avoir sauvés, moi et toute la ferme, s'exclame Madame Godway. À peine fini, telle sa phrase, que les fermiers font leur retour. Nos animaux ont l'air franchement heureux, affirme Al. Madame le maire, félicitations, vous êtes vraiment une sacrée fermière. Et voilà,
C'est la fin de l'histoire. Donc, comme dans tous les livres, Hachette de l'ABCDR, pas de patrouille. L'imagier. Eh oui, il y a l'imagier du F. Oui, et dans cette aventure. Et il y a du F. C'est pour ça que je vais raconter. Tu as découvert la lettre F. La patte patrouille te propose à présent de découvrir de nouveaux mots commençant par F. Comme, ça c'est quoi? Une fleur. Une fourche. Une fermière. Yumi. Du foin. Des tuyaux. Une fourchette. Des feuilles. Ah, c'est un de tes fruits préférés. Du fromage. Et une fenêtre. Et voilà. Voilà pour cette petite histoire. Bon, bah, j'espère que cette petite histoire vous a plu. N'hésitez pas, si ça vous a plu, de mettre un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.